Héroïne. Mais quand elle rentre dans mes veines, l'étoile est chasseuse des brouillards. Et je me mets à courir dans les rues d'une grande ville. Écho, asphalte, acier, héroïne. Les racines de la musique punk, c'est tout bêtement le rock'n'roll, ce qui jouait en, il y a 20 ans, en 1950, qui est repris, mais beaucoup plus agressif. Vous dites l'agressivité, pourquoi vous êtes... Ça correspond aussi à un refus de la société. Mm-hmm. Les manifestations punk, c'était des manifestations assez violentes, assez terroristes même. Se maquiller excessivement, aller dans la rue, se montrer aux gens, choquer les gens, ça a atteint des proportions assez considérables, puisque finalement on a même essayé de choquer les gens avec le nazisme, en affichant des croix gammées. C'est justement pour emmerder les gens, ce décor-là. Et effectivement, les gens sont emmerdés, alors ils suivent pas. On était punk. Mais c'est tellement décevant qu'on préfère se revendiquer d'un autre mouvement, plus jeune, qui a encore toutes ses preuves à faire, et qui est la génération X. Alors on va essayer de faire plein de choses. Si ça marche, si on monte, si ça prend au niveau du public, tant mieux. Si ça ne prend pas, on aura quand même l'impression d'avoir fait quelque chose.